Yo les gens, c'est Isoka et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui je suis très content les gars de faire cette vidéo. On se retrouve pour la première vidéo sur Naruto X Boruto Borutage. Ça c'est le nom en version Jap, sur la version globale ce sera Ninja Voltage. Mais pour l'instant le jeu est uniquement en version japonaise. Ça a été compliqué les gars pour choper ce jeu parce que le jeu bloque les émulateurs. Donc en gros j'ai dû passer sur Air Server. Donc j'ai téléchargé ça en 3 secondes. J'ai pris la version d'essai, c'est pour ça qu'il y a le logo en bas à droite Trial. Voilà, je suis désolé, je vais pas acheter juste pour cette occasion. Voilà, j'ai pris une version d'essai de 7 jours, donc ça gênera pas trop. Mais au moins c'est mieux parce que j'avais SideSync et SideSync c'est pas fluide du tout. Et là Air Server ça a l'air d'être pas mal fluide. Donc on va aller tester ça, donc je suis sur téléphone. On va aller découvrir le jeu hein, les gars, je suis vraiment hype. On va voir si je me suis trompé sur le jeu ou pas. Je vais juste voir un truc, je vais essayer de régler un peu ma caméra vite fait. Attendez 2 secondes. Hop là, je vais régler un peu OBS parce qu'elle avait l'air pas ouf. Voilà, je pense que là ça devrait être pas trop mal. Bon voilà, on règle un peu hein, désolé. Donc là on arrive sur quoi? Ok, le tuto, qu'est-ce qui se passe? Apparemment le tuto est très très long, on m'a prévenu qu'il était quand même assez long, donc on va regarder ça. Donc je baisse la tête voilà pour regarder le téléphone, hein. Je vais essayer de me mettre à ce niveau là. Bon bah il y a des tips mais bon c'est en japonais. Normalement la version globale, vous inquiétez pas, devrait pas tarder non plus hein, parce que voilà ça a été annoncé. On peut déjà se préinscrire sur la version globale, hein. Voilà, on peut déjà aller le faire. C'est parti. J'espère que mon téléphone va pas trop galérer, ça va être un peu compliqué. J'aurais aimé jouer sur émulateur, je suis vraiment deg. J'espère qu'ils vont vite débloquer le jeu sur émulateur parce que c'est très très chiant. Oui, c'est bien, c'est toi, oui, je me déplace. Ok, et si je fais à droite, ça ne marche pas, ok, donc c'est vraiment, c'est que ce côté-là, ok, d'accord, ok, c'est vraiment bizarre, ok. Là, donc là, bah, on va devoir taper, logiquement. Ça devrait être tout à fait... logique, je suppose. Oui, voilà, oui, c'est le coup de poing, j'imagine. Je suis pas débile, merci le jeu. Pour ceux qui ont déjà BBS, Bleach Brave Soul, ça devrait pas trop vous dépayser, je suppose. Parce que ça a l'air vraiment extrêmement similaire. Oui, d'accord, Yamato, j'ai compris, merci. Oui. Donc, ça, c'est une première strong. Enfin, voilà, on va dire strong comme BBS. Hein, on va pas. On verra. Premier jutsu, voilà, première technique. Ah, donc c'est une ruée, ok. D'accord, donc c'est une ruée. Ça fait pas très très mal, là. Pour un tuto. Ok. Bon, on peut même pas se déplacer, donc j'ai juste pu taper, donc c'est un peu dommage. Hop là, on va aller voir la ruée. Ok, d'accord. Donc là, on va vers là. Donc ça c'est voilà, donc ça c'est le genre de piège, parce que voilà, il y aura un peu un système de Clash of Clans avec des pièges, il faudra monter votre village, ce sera un peu un système pareil. Donc là on va défoncer, ok, coffre noir, très bien, bon voilà, ils me disent ce que c'est, mais bon bah, bien évidemment, je ne comprends rien. Donc j'ai mis ma cam en bas à gauche, voilà, désolé, mais j'avais pas trop envie de faire un truc dégueulasse, je voulais vraiment mettre le jeu en plein écran, voilà, j'avais envie. Donc j'espère que ça vous gênera pas trop. En tout cas de mon côté, moi il y a pas grand chose. Il y a juste le joystick, voilà pour se déplacer quoi, c'est tout. What the fuck? Il y a vraiment Manda là? Wesh. J'espère qu'ils vont me donner un jutsu là, à mon avis. Ah voilà. Ok donc ça. Ok. Oui. Il faut vraiment que je joue sur émulateur. Je préfère vraiment jouer à ce genre de jeu sur émulateur. Vraiment. Donc là il balance son clone, très bien. Ok, bon c'est plutôt simple. Le jeu est plutôt cool en vrai. Le jeu est un peu moins moche. Bon, je regarde sur le retour. Bon, vous, ça rend pas ouf vu que c'est en plein écran et que c'est un jeu mobile. Ça rend pas ouf. Mais en vrai, franchement, je vous jure que sur le téléphone, c'est pas dégueu. What the fuck, ils sont bloqués, ils sont derrière la porte. Donc là, je suis solo. Woy. Ah, on est contre le boss Sasuke. Venez niquer là. Ok. D'accord, donc là en fait je peux pas faire de ruée, très bien. Donc là je vais me manger de spé. Oh, Zebi. Oh, il m'a défoncé. Allez, ils vont me donner le mien, j'imagine. Ils vont me donner la dernière, voilà, l'ultimate, le Rasengan. Ok, c'est pas mal. Oula, putain, on lui a fait beaucoup, hein. Franchement, pas mal, les gars, je suis quand même hypé par celui-là. Voilà, c'est du Naruto, donc j'y jouerai. Même si mes premières impressions, voilà, j'avais beaucoup d'a priori sur ce jeu, j'appréhendais beaucoup. J'étais pas hyper motivé pour ce jeu quand j'ai su que c'était un peu style Clash of Clans. Mais vu que c'est du Naruto, bien évidemment, on va kiffer et on va jouer, hein, bien évidemment.
Mais s'il y a des trucs qui me déplaisent, j'hésiterai pas à le dire. Donc vous venez d'apercevoir que j'ai eu 70 médailles de Naruto. Donc en gros, ce qu'il faut savoir déjà sur ce jeu, c'est que ce n'est pas un gacha game où vous invoquez vos personnages. Pour ceux qui connaissent One Piece Thousand Storm, en gros, c'est tu invoques les compétences et les spé des personnages. Voilà, tu n'invoques jamais les personnages. Les personnages, il faut aller dans leur event et dropper des médailles, assez de médailles pour avoir le personnage entier. Voilà, c'est tout simplement ça, le concept. Je suis pas fan, hein, clairement, je préfère drop le perso, t'as le perso, t'as tout dessus. Là, c'est t'as le perso, mais si t'as pas les trucs dessus, bah, c'est moins ouf pour le coup. Donc ça reprend d'ici de Shippuden, indirect, y a pas de l'arc enfant, hein, donc on va dire ça comme ça. J'appuie sur le truc en bas, je sais pas ce que c'est. Donc là, on a un download. Donc au pire, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper la vidéo. C'était ça leur download ? Ah d'accord, donc c'est Air Server qui a complètement crash. Bon, en même temps, il y a toujours le download. En tout cas, voilà, on se retrouve juste après le download. A tout de suite. Et re tout le monde, enfin le DL terminé les gars. Ça a pris un petit peu de temps, je pensais que ça allait être un peu plus rapide. Je suis allé demander sur Discord si c'était rapide ou pas. Les gars, j'ai eu le temps, je sais pas, je suis allé chercher un sirop de kiwi. Je suis allé faire quoi? Je suis allé donner à manger à mon chat, gros, j'avais toujours pas fini le DL. J'étais vraiment, mais... what the fuck quoi, mais bon après ça c'est à cause de ma connexion, mais en tout cas on a fini le téléchargement et là on arrive à notre village de Konoha, plutôt stylé franchement, les gars ça rend plutôt bien, c'est assez joli franchement, je suis étonné, c'est plutôt joli, franchement j'aime beaucoup, on a un crapaud plutôt stylé, il a la classe, voilà il me raconte sa vie, voilà il y a vraiment beaucoup de trucs quoi, il y a vraiment ça, c'est votre village que vous devoir aller maxer pour les phases de défense j'imagine. Très bien, donc ça c'est les invocations, donc c'est direct invocation, c'est ça? Non, si? Est-ce que... non, ok, voilà, je veux dire, attends, un tuto il commence direct, pas les invocations. Ah, donc là, voilà. Donc là, vous avez vu, quand j'ai terminé le tutoriel, on avait 70 médailles du Naruto. Donc, bah, j'ai assez pour le débloquer, j'en ai 70, donc hop là, on invoque 70 médailles. Stylé les animations, ça se voit que c'est un jeu très récent, franchement, il y a des belles animations. Et boum, on a le Naruto 5 étoiles, ça fait plaisir. Il est très cool. Il est sympa, bon, tout le monde l'aura, hein, forcément, celui-là, tout le monde l'aura. Donc, ok, donc là, ce que je cache, c'est un peu dommage de ne pas le voir. En gros, vous pouvez voir derrière la cam, bon là, vous ne verrez pas, mais vous verrez sur votre écran. On peut voir la puissance et la rareté. Donc, le mien est une étoile sur... sur 6, ok, sur 6, très bien, et bah on a l'air de pouvoir, bah une étoile, il est une étoile, mais j'ai l'air d'aller de pouvoir aller jusqu'à 6 étoiles, donc ce serait comme Auré Collection, ce serait vraiment bien, en puissance j'ai 9260, vous pouvez pas voir en tout cas, après vous voyez les compétences, j'en ai 4, et voilà, elles sont pas attribuées, je pense qu'il faut aller les invoquer pour pouvoir les utiliser, tout simplement, bon, en vrai j'allais cliquer là, je me croyais sur l'émulateur, donc là qu'est-ce qu'ils me disent, il y a pas mal d'options, donc c'est assez compliqué quand c'est en Jap. J'imagine que c'est ça qui a beaucoup... Ah d'accord, ok, voilà. Il y a les invocations. Nous sommes sur un gacha game, c'est ce qui nous intéresse le plus, les gars. Je vous l'ai déjà dit, on invoque les spé, pas les personnages. Donc là, ok, donc là, c'est une invoque. Donc, en gros, on a une chance d'avoir... Est-ce que c'est une parmi celles-là garantie? Ou c'est une chance d'avoir? Parce que là, franchement, je sais pas laquelle m'intéresse. Le Gaara, j'aimerais bien. Le Gaara, j'aimerais bien. Le Sasuke, j'aimerais bien. Franchement, le Sasuke et le Gaara, c'est ceux peut-être que je voudrais le plus. Je sais pas si on a une 5 étoiles garantie, ça m'étonnerait, je pense pas. Donc là, on a le crapaud et on doit tirer la langue. Voilà, c'est ça, on doit tirer la langue. Et si il pète un câble, franchement, on a... bah voilà, ça dépend des animations. Ok, il pète un câble, donc je crois que là, normalement, on a un bon truc, logiquement, je sais pas. Ok, 5 étoiles, ok, je pense que c'est normal, à mon avis, hein. Ah non, c'est pas une 5 étoiles. Ok, j'ai cru. Vu qu'il y avait des genres de paillettes arc-en-ciel, j'ai cru que c'était une 4 étoiles. Les émissions, c'est un peu... genre, on dirait que t'es un truc de ouf, mais je pense pas. C'est une bronze, hein, ça se voit aux bordures. Donc j'ai eu la compétence de Naruto. On aurait dit les 1000 ans souffrance. Ok, très bien. Donc une belle bronze, ça fait plaisir pour commencer. Il y a moyen, je pense, d'avoir les 5 étoiles. Donc c'est-à-dire que bah, va falloir reroll, je pense. Et apparemment, d'après les premiers retours, reroll sur ce jeu, c'est le cancer. Enfin bref, qu'est-ce qu'on va maintenant faire? Ok, donc là, on va créer une équipe, logiquement, non? Ajouter une compétence. Donc, oh là, il y en a beaucoup. Ah, donc oh, voilà. Donc, en gros, c'est comme au PTS. Vraiment, il y a des cartes spé, il y a des cartes compétences où, en gros, ça booste les stats. Je pense que les cartes avec Naruto, ça booste les stats des Naruto, logiquement. Ça devrait être, je pense. Donc là, on l'a full équipé. Voilà, on peut l'équiper automatique comme dans au PTS.
En soi, c'est pas si mal, ça me gêne. Je suis pas fan de ce genre de truc, mais ça me dérange pas plus que ça. Donc voilà, donc là on a la première compétence de Naruto, très très bien. Plutôt deck d'avoir chopé une bronze dès le début. Alors on va essayer de reroll. Donc là, une clique sur en bas à droite, vous voyez pas avec le logo Air Server, fait chier, voilà, avec la version d'essai. Bon, déjà, je suis pas très convaincu par Air Server, hein, je vous le dis direct. Ça a pas l'air ouf parce que c'est fermé déjà une fois pour rien et c'est plutôt la misère. Alors, en tout cas, qu'est-ce qu'il me dit? Donc là, ok, donc je crois avoir compris. En gros, vu ma rareté, je peux mettre que deux spé comme vous pouvez voir en bas. Et après, à partir de deux étoiles, ça va me débloquer celle-ci. Et à la troisième, je vais pouvoir en mettre une autre, j'imagine. Ce serait tout à fait logique au final. Donc là, donc ça, c'est la partie village. Voilà, on arrive à la partie village. Parfait. Donc là, c'est full découverte. Hein. Je n'ai jamais ouvert le jeu. J'ai pas ouvert une fois le jeu, fait le tuto pour tout découvrir. Là, c'est vraiment full découverte. Je ne connais pas. En tout cas, c'est joli. Ça me fait plaisir. C'est vraiment très très beau. Wow, c'est franchement pas mal du tout. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Donc là, on va faire la première story. Donc ça finit. Voilà, au combat juste avant l'arc Shippuden. Donc en gros, voilà, je comprends. Voilà, ça va pas vraiment. Je pense pas qu'on aura les persos enfants. Je pense pas. En tout cas, ça m'étonnerait beaucoup. Donc là, on va partir pour notre première mission, donc de la story classique. Voilà, on passe, on s'en fout un peu. On va pas découvrir Naruto grâce à ça, hein, les gars. Hein. Je pense qu'il y a de meilleurs moyens pour découvrir Naruto que jouer à un jeu mobile pour découvrir l'histoire. En tout cas, premières impressions, c'est pas mal. Franchement, ça va, c'est pas mal. Après, on n'a pas fait grand-chose, donc c'est pour ça que je veux pas dire c'est bien ou c'est pas bien, parce qu'on n'a pas fait grand-chose. Ok. Ouais, ça, wow, ça commence direct quoi. Je me suis fait soulever ma race direct. Genre, j'ai spawn, ils m'ont mis des coups de coude à la TK, genre direct. Ils ont même pas hésité. Ouais. Donc là, ma spé ne. Ah, d'accord, c'est une ruée. Ah, d'accord, la spé n'est pas au même endroit que tout à l'heure. Ok, d'accord. Très très bien. Donc après, on m'a dit aussi, donc ça, c'est quelqu'un du Discord, de notre Discord, à moi, il faudrait que il m'a prévenu. En gros, il faut full clean les maps apparemment, parce que. En gros, si tu oublies quelques trucs, si tu full clean pas, quand tu arrives au boss, tu perds beaucoup de vie. Voilà, t'as un malus de santé apparemment. Si tu clean pas tout, tu te fais défoncer. Donc, wesh, il y a des araignées, c'est quoi ça? Ouais, il y a des trucs chelous là. On va essayer de bien clean la map. Ok, donc là, il y a un piège. Ok. C'est pas mal, franchement, c'est pas mal. Franchement, j'étais un peu sceptique. Et à prendre en main, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal du tout. J'attendais vraiment de prendre en main pour vraiment dire si c'est bien ou pas. Ouais, il fait quoi lui? Oh, il fait quoi? C'est Kakashi. Ok, Miss. Ça me rappelle des mauvais souvenirs, ça, sur Blazing, les Miss. J'ai pas des. Ouais, il utilise tout en fait. Genre Katon, Futon, Raiton, Kakashi. Ok, on l'a battu. On a eu un petit coffre noir. Donc je pense que ça, c'est juste les drops. Hein, c'est juste si t'as drop ou pas. Pas mal. Franchement, je trouve vraiment ce jeu. La touche vraiment qui fait plaisir, c'est les animations. Franchement, je sais pas ce que vous trouvez, mais genre, rien que là, quand on a fini les petits nuages et tout, je trouve ça vraiment stylé. Ça fait plaisir. Sur Naruto, c'était vraiment simple. Voilà, le gameplay est bien sur Blazing, mais après, tout le reste, c'est vraiment basique, quoi. Hein, genre, 80 médailles. Donc là, je pense qu'on va pouvoir grimper d'une étoile grâce à ces nouvelles médailles. Ils vont nous apprendre le système d'évolution. Donc, désolé encore si ces vidéos. Durer longtemps, j'imagine, hein, bien évidemment. Elle va durer pas mal de temps, donc je suis désolé. Mais voilà, là on est en full découverte. Malheureusement, voilà, je ferai des lives dessus quand il y aura sur émulateur. J'ai vraiment pas envie de live avec Air Server, mais genre vraiment pas du tout, les gars, je vous assure. Je sortirai cette vidéo sûrement, je sais pas quand, vu que j'ai une connexion de merde, je vais mettre longtemps à l'upload. Ok, donc là on a utilisé les médailles contre des orbes bleus. Je sais pas vu c'est quoi, donc en gros, ça doit être des médailles. Quelque chose en plus des médailles d'éveil pour éveiller. On a gagné une étoile de rareté sur notre Naruto. Donc ok, deux étoiles, pourquoi pas, très bien. Très très bien, pourquoi pas. Hop là, on retourne en arrière, très très bien, ok. Oui. Ok, je comprends pas ce que tu me dis. Qu'est-ce que c'est en bas, le shuriken? Ok, c'est toujours, donc là ça c'est la story. Là on va découvrir ce que c'est. Donc j'imagine que le Comic Zone en bas c'est un raid, hein, j'imagine. Je pense. Peut-être ça, c'est les EM, voilà, ou un truc comme ça. Donc là, ok. En plus, j'ai vu qu'il y avait un système de guildes. Je crois qu'à partir d'un certain rang, vous avez des guildes et des clans, autrement dit. Ça, franchement, je suis quand même hypé pour ça. Bon, ils ont des bonnes idées, c'est pas mal. Même si sur le gameplay, pour moi, je suis pas trop fan. Il y a des petites choses qui, au moins, tu peux prendre du plaisir quand même, même si t'es pas fan de tout. Ouais, il y a des pics là. Ça va être chaud. Sasuke déjà d'entrée, hein. Il m'a déjà saoulé lui.
Ok, critique, critique, très très bien. Très très bien. Par contre, j'aime pas quand tu prends des coups, quand tu vas au sol, ça casse la dynamique. En gros, tu devrais juste prendre des dégâts, pas t'envoler. C'est un peu chiant. Je regarde si j'ai tout clean. On fait gaffe au piège. Ok. J'ai dit fais gaffe au piège, je me marche dedans, putain. Les contrôles, c'est pas ouf. Hein. Franchement, les contrôles, le BBS, largement dessus, pour le coup. Voilà. Hein. Quand les choses sont mieux sur certains, faut le dire. Voilà. Par contre, franchement, graphiquement, je suis vraiment étonné. Graphiquement, je trouve ça pas mal du tout. Je trouvais ça très laid, moi. Quand j'ai regardé certaines vidéos, quand j'ai regardé bah, les gameplays, genre à la Tokyo Game Show ou quoi que ce soit, je trouvais ça archi moche, vraiment. Là, c'est pas dégueu. Franchement, c'est pas dégueu. Oui! Oh putain! Oh ouais, mais en fait, c'est ça, comme on m'a dit, Fornax et tout, il m'avait dit que vraiment, c'est vraiment rentre-dedans, quoi. Genre, des fois, t'as des. Lui, ça lui fait pas de dégâts, la grenouille de merde. Genre, lui, non. Voilà, c'est vraiment rentre-dedans, et des fois, tu peux prendre tarif. Donc là, je pense que c'est la salle du boss. Voilà, donc là normalement j'ai full clean. Donc là ma spé n'est pas partie. Ok, bah Sarada, ok, bah super forte, hein. Apparemment on m'a dit qu'il y a 3 niveaux de difficulté pour les events. Apparemment le premier est vraiment simple. Après ça se corse très très vite. Donc ça c'est pas en soi une mauvaise chose non plus. Complète, ok, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Donc là, on a eu les pièces, donc les rios, classiques. Et en dessous, les petites flammes bleues. Ça a l'air d'être une monnaie pour éveiller avec plus les médailles. Donc ça a l'air pas mal du tout non plus. Pas mal, franchement, les gars, je prends du plaisir à jouer au jeu. Étonnamment, je prends du plaisir. Après, voilà, c'est la découverte, nouveau jeu Naruto. Forcément, les gars, on est content. On est content, on est content. Donc on va pas s'arrêter tant qu'on n'a pas fait bah, la multi-invocation. Apparemment, on te donne pas mal de choses. Donc là, on est au bureau du Hokage. Qu'est-ce que c'est? Très bien. Ah, donc là, en gros, c'est un peu. Il y a plein de bâtiments, en fait, dans le village. En gros, faut les maxer. Voilà. Donc là, il est level 1. Mon bureau d'Hokage est level 1. Ok. Oui, très bien. Je comprends pas ce que tu dis. J'accepte. Et là, il faut que je paye des gemmes. Mais ça, c'est pas des gemmes pour invoquer. Ah, ça doit être pour. En gros. Genre t'améliore, mais en gros ça peut prendre 1 heure à mon avis, et là en gros c'est pour avancer le temps pour que ça fasse instantanément, j'imagine. Voilà, là ça évolue direct, très très bien. Donc là ça, ok, moi ouais, pourquoi pas. Donc ça au fond c'est les trucs d'éveil. Bah forcément le truc des ramen c'est les rios pour se faire de l'argent. Hein. Va falloir, en gros c'est un peu des mines quoi en fait, c'est en gros ça hein, pour ceux qui en jouent pour deux. Voilà, tu cliques dessus, ça te donne ton argent. Pour ça faut revenir. Plus souvent et plus tu améliores, plus tu pourras gagner beaucoup d'argent d'un seul coup. C'est tout à fait logique en vrai. Donc ça c'est quoi les trucs bleus? Parce que j'ai vu que tout à l'heure je m'en suis servi pour. Donc là les cœurs, c'est les stamina les cœurs ou pas? Ou c'est les shurikens? Ah, je sais pas encore les gars. Je peux pas vous dire. Hein, c'est pas une vidéo explication. Hein, c'est une vidéo découverte. Hein, je peux pas vous dire ouais les gars c'est ça c'est ça. Putain les gars la vidéo elle va être super longue. Ouais. Je comprends pourquoi les gens ils en ont marre de. Ils trouvent que c'est le cancer pour rien les gars. Je n'ai toujours pas fini le tuto. Je n'ai toujours pas fini le tuto. What? Ah ouais, pour reroll, moi j'ai intérêt d'avoir de la chance parce que moi reroll, les gars, je vais pas assumer. Hein. Donc là, ah d'accord, donc ça c'est bien pour réveiller les trucs. Très très bien. Hop là. Ok, d'accord. Donc en gros, ça donne plus de stats, quoi. J'ai simplement fait XP une carte de compétence. Très bien, ok. Classique, je veux dire, c'est pas incroyable. En haut, donc on retourne au village. Ok, très bien. Ouais, bah c'est bien, ok, j'ai pas compris, mais là, c'est quand que tu vas me dire, bon, bah c'est bon, t'as fini, allez, ciao, bye. Ah, voilà, donc là, ça, c'est les cadeaux. Donc, j'ai reçu 70 médailles de Sasuke. Donc, on commence avec Naruto Sasuke, ok, pourquoi pas, c'est pas mal. Donc, ça sera sûrement, encore, c'est une quête, à mon avis, qui va me donner. Comment on peut je sais pas le nom qu'on va trouver, parce que voilà, il y a Perle, DS, voilà. Comment on va appeler ça, mais on trouvera bien. On va appeler ça des gemmes, comme ça au moins on sait tous de quoi on parle. D'accord. Ah, on va devoir donner son nom. Isoka, oui. S'il te plaît, dis-moi que ça marche par idée. Ok, ça marche par idée, ça marche pas par pseudo comme BPL parce que c'est chiant sinon. Très bien, ok. Donc là, je m'attends à un nouveau DL. Hein, en vrai, je m'attends fort. Bonus de connexion les gars, ok, donc voilà, vous voyez les bonus de connexion en ce moment, c'est Event, bonus de connexion Sarada. Première, on a les médailles, après on a 2 cartes pour lui augmenter ses stats, on a une compétence, des cristaux d'invocation, et après ensuite plusieurs médailles de spé pour l'améliorer, très bien.
bonus de connexion, encore 5 par jour. Donc pour les level, donc ça marche comme ça, ok. Donc les gars, pour les invocations, c'est un ratio 50-500 pour les invocations, et j'aime pas beaucoup les ratios 50-500. Je suis pas fan. 200 000, ok, c'est bien. pour ceux qui sont pré-enregistrés sur la JAB, bah, ils vont avoir tous les bonus, hein. Nous, il faut se pré-enregistrer sur la globale si on veut avoir tous les bonus, donc je vous conseille. Très très bien, j'ai compris, monsieur le jeu, les infos, c'est bien, j'ai compris. Merci. Donc aussi, il y a un chat en bas, voilà, c'est un peu comme Summoner's War, il me semble, même au PTS. Tu peux aller rejoindre des salons et parler avec d'autres personnes. Très très bien, donc il y en a, ils m'ont dit, on commençait avec je sais pas combien, plein de perles et tout. Je suis à 45 là, les gars, donc oui. On n'est pas très content, quoi. Hein. Ah, ça doit être là, à mon avis. C'est ça. Ok, c'est ça. C'est ça. 650, my bad. 650. Très bien, bah, on va aller partir invoquer, j'allais vous dire. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ouais, mais c'est bon, le message, j'ai compris. Casse pas la tête. Putain, c'était où les invocations? Ouin, c'est où les invocations? Putain, c'est où? C'est... Merde. Ah, j'ai pas retenu. Ah, c'est là. Alors là, il y a le portail Naruto Sasuke. Il y a le portail Kakashi Gaara. Donc là, il y a une single gratuite, il me semble. Ouais, c'est single gratuite, ça, logiquement. Il n'y a pas de prix. Donc on va faire la single gratuite. Attends, les gars, on va essayer de gratter une single. Hein. Ok, donc j'essaie de voir les différences d'animation. Les lumières, c'est clair. Je vais bien me caler. Hein. Ok, il pète un câble. Elle est bleue, donc là ça fait des petites paillettes, donc à mon avis rien de spécial. Une compétence de Ino, youpi. Merde, j'ai fait une single. Ah non, putain, j'ai cru que j'avais payé une single, putain, j'ai eu peur les gars. Donc là, dans 4 heures, j'aurai une single gratuite, très bien. Mais là, en fait, c'est pour l'aspect de Naruto et Sasuke, je m'en fous un peu. Je vais vous dire, est-ce qu'il y a un rate up? Ah, c'est marqué up, donc à mon avis, il y a un rate up sur cette bannière. Il y a un rate up, donc on va partir ben, sur celle-là. Hein. On va faire deux singles et on terminera par une multi-invocation. C'est parti. Très très bien. Même assez animation, il va péter un câble. Ok, très bien. Qu'est-ce que c'est? Kiba, très bien. Des super trucs quoi pour l'instant. Petite nouvelle single, ça va, ils préviennent avant d'invoquer, c'est pas comme sur BPL où en gros, genre, ils te préviennent même pas. Alors, hop là, on va tirer la petite single. C'est pas mal, ce système d'invocation, il est sympa, l'animation, j'aime bien. Ok, ok. Et on a... Ah bah, Tshuji, bah putain, super quoi. Les cartes sont pas mal. Retour, et on part pour la multi-invocation. Je vais pas trop blablater, hein, parce que là... Ah, il me reste encore une single, ok, bon, c'est pas grave, on la fera à la fin. On va lâcher la multi-invocation, et je crois que apparemment, on m'a aussi dit qu'en gros, la carte pouvait évoluer, genre, c'est un peu comme au PT, genre, quand t'as une... genre, un truc argent, il peut très bien se transformer en gold. Ah bah, d'accord, ok, les gars, là, on est content. Mon air serveur a crashé, donc là on est grave content, donc 2 secondes, je le relance. Voilà, re les gars, bon bah putain les gars, ça fait 2 fois je le relance, c'est plutôt chiant air serveur, les gars, j'espère que quand tu payes c'est pas comme ça, hein, parce que putain, la version gratuite c'est la version on vous fiste, hein, ils ont dû l'appeler. Bon allez, c'est reparti, on va enchaîner les cartes, comme ça au moins, bon c'est vite fait. Ok, donc celle de Kankuro, très très bien, ok, pourquoi pas. Bon bah Tenten, ok, peut-être une 5 étoiles. Les taux de drop sont de 0,33 pour avoir une 5 étoiles, donc c'est misérable. Hein. Shizune, il y a vraiment de la tronche à Shizune ici, quoi. Waouh. Ok, bon, bah encore du bronze. Bah, personnellement, ça me change pas de Naruto Blazing. Hein. Je suis pas dépaysé, quoi. What the fuck. Ok, c'est transformé en arc-en-ciel, vous avez vu? C'était tout noir. Là. Ah ouais, c'est une 5 étoiles. Yes. Yes, la technique spéciale de Sasuke. Ouloulouloulouloulou, elle s'est transformée. Ah là, je suis vraiment content. C'est Kirin en plus, j'ai l'impression, quoi. Ou c'est juste un Chidori classique. Parce que ça, c'est la tenue de Kirin. Et on voit sa main en bas. Oh là 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 là, nice, la 5 étoiles qui tombe. L'aspect de Sasuke Kirin. Oh là 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 là, ça fait plaisir. Elle s'est transformée, la carte. Donc là, ça, c'est une argent. Donc ça, c'est peut-être une 4 étoiles. Ouh, du Sasuke Susanoo, vraiment classe, putain.
Vraiment stylé. Donc ça, c'est une bronze, je transforme pas. Ah, ça sort tout seul en fait, d'accord, ok. Ok, du Sasuke encore, bah, très très bien. Donc ça, c'est une carte juste pour les statistiques apparemment. Elle se transforme pas, ok, elle va rester comme ça. Très très bien. Du Shino, très très bien. Peut-être encore une. C'est fini. Donc, première multi, on a eu pas mal de Sasuke. Et surtout, on a eu l'aspect de Sasuke. On a eu la carte 5 étoiles. Donc ça me fait vraiment plaisir. Alors là, on a été plutôt châteux. Première multi, spé de Sasuke. On va bien garder. Voilà. Franchement, pas mal la vidéo. On est plutôt content. Bon, à part les multiples crashs de R Server, hein, franchement, il y aura des coupures. Des fois, même, j'ai relancé et vous verrez jamais la... Vous verrez jamais cette partie-là où je relance et mon air serveur se referme. Donc c'est une bronze et ça se transformera pas. Non, ça restera une bronze. Très bien, donc Kisame, plutôt pas mal la carte, j'aime beaucoup. Ok, d'accord, c'est une compétence de Kisame, mais très très bien. En tout cas, voilà, les gars, on va pas plus jouer que ça. On va pas aller partir faire des events. Je vais aller ça découvrir tout seul dans mon coin et essayer de bien comprendre. What the fuck, putain, la caméra est devenue sombre tout d'un coup. Bon voilà, c'est plus très très important maintenant. C'est fini. En tout cas, voilà, ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. J'attends que le jeu passe sur émulateur, du moins que ce sera sur émulateur, je vous ferai des lives dessus. Voilà, ça m'a donné envie de refaire des lives ce petit jeu, ça m'a fait plaisir. En tout cas, je suis plutôt content. J'essaierai d'avoir mon code de migration pour pas perdre ce compte parce que bah, on commence plutôt bien. En tout cas, voilà, en espérant que vous ayez plein de chance sur vos invocations sur ce jeu. N'hésitez pas à me partager vos retours. Testez le jeu avant de me dire si vous aimez pas ou si vous aimez ou si vous aimez pas, n'hésitez pas, c'est de la merde sans avoir touché au jeu. Moi je suis agréablement surpris, oui voilà, je suis surpris, je suis surpris. Pas non plus en mode waouh, jeu de l'année, mais c'est agréable à jouer et je suis plutôt content. Un nouveau jeu Naruto, ça me fait plaisir de voir. Moi c'est Naruto, j'aime bien de toute façon, c'est comme ça. En tout cas voilà, je vous embête pas plus, c'était Isoka, ciao tout le monde. Putain la caméra elle est vraiment sombre. Hein. Bon allez, ciao tout le monde.